Ah bonsoir. Comment que ça va par ici? Ah c'est. C'est ici qu'on attend. On attend Kingdom Hearts. Un petit peu. Ah. Au revoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir du coup, bah, comme prévu pour KH3D, de Mars Dream Drop Distance. Et je vais pas vous faire un recap parce que je me rappelle absolument pas de ce qu'on a fait la dernière fois. À part que on a accédé au monde de Tron avec Sora. Après avoir battu le boss. Je crois qu'avec Riku on l'a pas encore fait. Le boss. Je sais plus, j'ai un doute. Je sais plus si je l'ai fait ou pas, j'en ai aucune idée. Ah non, si, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait encore le. J'ai pas fait le passage de mémoire pour accéder au monde de Tron. Qu'on en était à peu près là. L'avoue, je crois plus. Bref, on va voir. Hein. Hop, carte du monde. On va voir si c'est marqué terminé. Terminé et terminé. Perfecto bandito. Du coup, c'est bien ça. On doit faire la transition pour Riku. Pour le petit Riku. Et j'en profiterai après pour changer les clés, n'est-ce pas? Je dois faire quoi? Récupère un prix avant la fin du chrono. Comment ça, un prix? Ah, d'accord. Faut que je. Ça bouge la musique. Juste de me rappeler que j'avais pas enlevé la musique. Bon, ça a duré 30 secondes. Pas une minute, 2-3 minutes. Du coup, j'en profite pour me mettre le casque. Voilà, c'est bon. Ouais, faut juste que je récupère l'étoile à la fin du niveau. Merde, c'est ce que je veux faire. J'étais beaucoup plus rapide. Piqué d'argent, sérieusement? Tu es déçu. Je suis une grande déception. My clothes. Is this world special? Un petit peu. Dream Eater. No. Let's see how this plays out. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Et il se laisse faire. Bon, un peu. Un peu con ce que tu me fais là, Riku. Qu'est-ce que tu me fais? Rebelle-toi. Are you a prisoner? Yeah. It looks that way. Name Sam. I'm Riku. Where are we, Sam? On est quelque part. We're on the grid. Bon, pour ceux qui auraient pas tilté, dans Cache 2, on faisait le tout premier trône à l'ancienne. Et avec 3D, du coup, on fait le. Trône évolution, révolution. Enfin, bon, je sais plus comment il s'appelle parce que je n'ai vu aucun trône de toute ma vie. You're in luck. Mm-hmm. Only a precious few are granted light cycle battle privileges. C'est que ça, c'est un sabre laser. You gonna explain why it's so lucky? I'll show you.
hard can it be? Attends, tu vas me faire croire qu'il sait. Genre, il sait comment ça fonctionne. Alors, cycle lumineux. Utilise la traînée lumineuse et les armes pour vaincre tes ennemis. Jusque là, on est ok. Utilise croix pour tirer sur les ennemis en face de toi. La traînée lumineuse agit à l'arrière. Appuie sur carré pour alterner entre les armes et la traînée lumineuse. D'accord. Bien ça. Ça me rappelle du coup KH2. Ah, je peux accélérer. C'est bon, ça la façon du film quoi, c'est... Hop, ok. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça va. Bien, je sais pas si c'est vraiment un effet d'accélération, mais j'ai quand même l'impression que j'accélère en fait. Un truc, je vérifie si le son est bon. J'ai même un poil trop fort. Voilà, mieux. Désolé pour vos oreilles. Allez, dégage toi. Merde. Ah! Très bien. En même temps, comment est-ce que j'ai pu croire deux secondes que ça allait être fini quoi? Oh, les dégâts qu'on lui fait avec le rayon! On remarque avec ça aussi, on lui fait pas mal de dégâts. Raté. Ah c'est pas mal hein. J'aime bien. J'aime bien ce petit ajout. Il est marrant. Il est éclaté le bousin. Je peux l'avoir la bécane. Pourquoi ça ressemble à un cœur? Non par contre premier degré je peux avoir une bécane pareille. Bon les armes bien sûr je suis pas un monstre. You made it. You escaped from the games. Yeah. I know a way off the grid. Wanna come with? No. You go ahead. Wait, what's the way out? Through the portal. Portal? Yeah, it's like a gate that opened when I came here. Once I'm back in the real world, I can delete Clue. And then... Then my dad will be able to come home. Vraiment, je le regarde... que je les regarde, les deux trônes. He vanished.
20 years ago when he came here to the grid. But because he needed to protect his disk from Clue, he went into hiding. He's been trapped there ever since. But I'm gonna change that. I see. Sam, you mind if I go with you after all? To the portal? Sure. I'll take what help I can get. But first there's somebody I need to meet. He's in the city. Flashback père et fils. Ah oui, tant qu'à faire. I tried to get back, but I couldn't get to the portal. It uses massive power and it can't stay open forever. And like a safe, it can only be open from the outside. It closed on me, Sam. That's why I never came home. So the portal, it activated when I came in. So it's open now. Not for long, only one millicycle. About 8 hours. So we go now. We go home. We make a run for it. We get you Sam, out of here. Don't rush. What do you mean, don't rush? The portal's gonna close. My disk is everything, Sam. It's the master key. The golden ticket. The way out. And not just for me. What do you mean? Our worlds are more connected than anyone knows. Clue figures if I can be in... He can be out? With my disk, it's possible. And then what? Game over. The guy doesn't dig in perfection. What's more imperfect than our world? I can't let that happen. I won't. So what do we do? Nothing? It's amazing hey, how productive you're doing nothing can be. Clue is planning something. We've known that for a while. It's his game now. The only way to win is not to play. Yeah, well, that's a hell of a way to live. But it is a way. Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes. That's great, Dad. Keep telling yourself that. Good night, Sam. Ok. Tu dis à 6 heures de jeu? Oh la vache. Ah oui, alors par contre j'ai pas changé de Keyblade. Je sais pas pourquoi je sens que ce monde il est vachement court. J'ai l'impression que ce monde va être vachement court, je sais pas pourquoi. Pourtant j'essaie de pas speedrun le jeu, hein. C'est ça le pire. Hop, changement de Keyblade, n'est-ce pas? Sa Keyblade en format Tron, elle est vachement classe. Par contre, la Keyblade de Cloche Gardienne, mon dieu, qu'elle est pas belle. Hein. On va pas se mentir, elle est vraiment pas belle. Hein. J'aurais beau essayer toutes mes forces
trouver un point positif à cette Keyblade, je la trouve vraiment pas belle. Prochaine destination, bon, on va aller à la ville. Je pense que je vais tout fouiller vraiment. Même si je dois faire les fouilles plus tard. Je préfère commencer maintenant, comme ça au moins je suis pas perdu. Waouh. Il a dit quoi? Essaie de t'occuper en mon absence? Gentil. L'Allemagne. J'ai pas changé mon jeu de commande. Je suis un connard. Non mais, jeu de commande accru. Parfait ça. This. I'm Riku. Sam and I were on our way to the portal. Come with us. Where are we headed? The portal. But we need a solar sailor. There's one in the underground docks. Ouais, mais avant ça, le disque volé. Ok. Mais avant ça, je vais quand même aller fouiller. J'ai vu qu'il y a un gros coffre. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Your disc. Dad. It's gone. It is. She's stable. We have to go back. Clue will use it to reach the outside world. I can stop him from destroying it if you just let me do this. You've done enough already. Ah, t'as fait des conneries, toi. So what do we do now? I don't know. Nothing. We do nothing. Be still. Wait. We can hop a solar sailor. A full-on sprint to the portal. We can beat Clue there. Let's get her out of here. Valentine ne veut pas revenir en combat. Surtout quand j'ai plus aucune. J'ai hâte de braser, c'est trop. Gravité nulle.
On va mettre le moulin brasier. J'ai quelque chose à mettre là-dedans. La sauve vengeur. Donc, Sora, ça. Ouais, la sauve vengeur, c'est que pour Sora, ça. Ok. J'ai vu le passage. Pour l'instant, le passage ne m'intéresse pas du tout. On va refaire le chemin inverse. Viens! Poudre plus. Intéressant. Du coup j'ai pas le... Ah? Ah si je l'ai, merci, je suis pas taré. Réalise au moins 3 attaques fluidité. On va être rapide en saut. Je sais pas ce que c'était que cette merde, mais... Oh, c'est machin. On dirait ils vont dormir. Ouais. Gâteau royal, création formidable, tranquille. On va dire que c'est mon cas. Bon, à mon avis, je vais rater les coffres, hein, on va pas se mentir. C'est sûr que je vais rater les coffres, hein, on va pas se mentir. C'est sûr à 100% que je vais en rater. Enfin, celui-là, c'est typique un coffre que j'aurais pu oublier à une certaine époque. Hein. À l'époque où j'avais juste envie de jouer sans me prendre la tête à chercher tous les trucs cachés. Bah tiens. Je vais faire une corde, je vais me barrer sans stop. On va dire qu'ici c'est bon. Bon, oh, attends. Ah, c'était sûr. Oh,
Viens! J'ai raté mon coup. Alors juste pour ceux qui regardent la rediff sur le live en ce moment, même si je sais qu'il y en a qui parlent pas, est-ce que vous voulez que je fasse tous les aval rêves? Donc dans ce cas-là, faut que je farm hors live. Ou alors je fais un live à la toute fin pour faire que vraiment que du farm pour récupérer le tout. Ou alors vous en foutez, je fais juste le mode histoire en récupérant les coffres. Parce que concrètement, le let's play sortira en entier sur YouTube quand j'aurai fini le jeu. Concrètement. On va partir du principe qu'ici j'ai tout fouillé. À partir du principe qu'ici j'ai tout pris. Vous êtes déjà tous atomisés ? Pas rapide. Alors, on va voir comment ça se passe ici. Ok, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas du tout. Merde! Ah merci. Ah. Faire un petit peu les courses avec ma mère pour avoir un petit truc. Emprunte ses esprits. Non. Pas bien avec mes esprits actuels. Oh, un gros coffre. Oh, le gros coffre.
Aura de riposte. Ah, ça c'est un truc pour Rikos, hein. Aura de riposte, ok, ça va avec la parade. Appuyez sur, sur X après une parade réussie, repousse ses ennemis proches, ok. En haut de sens, Rico, stop. Voilà. Switch target. Est-ce que tu as le prize aussi? Voilà, prize de Choto. Ça, quoi qu'il arrive, il sera plus sur mon dos. Ouais, sauf que du coup, j'aurais pas dû lui faire switch. Auto-destruction. Cette porte là, j'ai ma petite idée d'où qu'elle mène, mais je vais quand même aller vérifier pour être sûr. Voilà, ok, c'est bien cette porte là. Bien la porte qui mène au coffre que j'ai vu tout avant. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Calmez. Charmant comme tout. Calme aussi. Hop. Là je pense que je peux que l'auto-détruire. Bien. Auto-destruction. Oh. Oh, le verre il a changé. Enfin la vitre a changé. Auto-destruit. Ah oui, effectivement, ça a bien géchant. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il faut que je m'entraîne à parer les attaques parce que... Bon là il était confus donc il savait pas ce qu'il devait faire. Création noble. Hein? Après les systèmes genre potions je les utilise jamais. Je sais pas si c'est une erreur monumentale à chaque fois mais comme je le sors souvent à chaque fois. Niveau 16 quand même. Oh oui. Je goupille. Ah oui, un voilier solaire. Is she gonna make it? I don't know. But didn't you write her code? Some of it. But the rest is just beyond me. She's an ISO. ISO? A whole new life form. Korra is the last ISO. And you created them?
They manifested like a flame. They weren't really, really from anywhere. The conditions were right, and they came into being. For centuries, we've dreamed of a pure existence beyond our own. I found them in here, like flowers in a wasteland. They were spectacular. Everything I'd hoped to find in the system, control, order, perfection, none of it meant a thing. The ISOs, they were going to be my gift to the world. There, good as new. It's going to take a while for our system to reboot. So what happened to your gift? Clue happened. He was built to create the perfect system, but endless potential can never, ever be fully realized. Clue saw the ISOs as an imperfection, so he destroyed them. He screwed up. No. He's me. I screwed it up. Chasing after perfection, chasing after what was right in front of me. Right in front of me. Look too hard for one thing, and you miss everything else. Mm-hmm. And then, the people around you get hurt in the process. Mm-hmm. Like Xehanort. His single-minded thirst for answers created Ansem. We all have a little of that curiosity in us. So if we're not careful, any one of us could create an Ansem. Great! They found us! We've been put on a new course. Alors, on est d'accord que à l'origine, c'est le père de Sam qui a créé le monde de Tron. Comment ça se fait qu'il y a des trucs qui sont apparus comme ça alors qu'il n'en savait rien? C'est de ma gueule ou? Ah bah tiens, elle est vivante. Ah, elle est vivante. On va dire ça. Goodbye. Quora! No, wait! She's removing herself from the equation. We can't just let her go. Yeah. No. Hold on, Sam. What about getting you to the portal? You shut them down from the outside. But Korra comes first. And we still have to get back your disc. Sam, if you chase two rabbits, you won't catch either. If this is a father-son thing, I won't butt in. But we should probably get back that disc at least. Il taper mon casque contre le filtre pour mon micro. Come on, Sam. Désolé. Right. Meet me on the flight deck and get us some wheels. Wheels? What's your plan? I'm a user. I'll improvise. Riku, I gotta save Korra too. I know. We will. The dish should be somewhere on the throne ship. I saw it dock here earlier. Oui, bon, allez. Over there. Allez. All right. Allez. Pas vrai ça. Voyez. Là, maintenant je peux fouiller. Arrêtez avec tes bombes, clochard. Bien. Dans le coffre. Dans le coffre. Je pense que je ferais des trucs comme ça à la Tron aussi.
que en fait, en gros, il y a un salon que vous ne voyez pas, enfin que certains seulement voient sur mon serveur Discord. Et des petits projets que je vais faire et que je me ferai un petit peu en mode déco pour, avec mon imprimante 3D quand j'en aurai une. Et il y a moyen que je me fasse des trucs un peu à la throne maintenant que je joue à certains trucs. Genre les disques par exemple. C'est tout con hein. Et je trouverais ça intéressant de faire ça en déco. Hop, encore un gros coffre. Oh, allez. Choumirette. Choumirette, qu'est-ce que c'est que ce nom de merde? Alors, est-ce que je peux en créer un nouveau déjà? Ah bah, le boulebet. Le choumirette, c'est celui-là, ok. Mais moi, je veux, je le chète à Nuki. Voilà, je vais pleurer. Ah, attends. Gravité nulle plus. Ah, honnêtement, ça m'intéresse. C'est vrai que j'ai toujours pas fusionné avec lui. Quoi ça? Ah, de confusion, c'est de la merde. Boost de défense, je m'en fous. Écran brasier, je m'en tamponne. Moulin brasier, honnêtement, je m'en fous aussi. Écran brasier. Boost de défense. Merde. Omni. Merde. Parade venimeuse, ouais. Étincelle. Merde. Accélérateur. Merde. Booster magie. C'est pas mal. Soin X. C'est pas mal. Booster HP. Oh, c'est pas mal aussi. On va pas se mentir. Hop. Passons là pour le combat. Pour le combat de boss, je vais fusionner avec mes deux bestioles. Comme ça, je pourrais récupérer les trucs qui m'intéressent. Pic. La question c'est, est-ce que j'ai tout récupéré de ce qui m'intéressait? Apparemment j'ai tout récupéré. Ah, presque. Ah, c'est pas ici d'ailleurs que je me suis arrêté avec toi. Yo! Ah, tu croyais que je m'échappais? Ah, okay. Un petit coffre ici. Bah. Riku. D'accord, ok, je ne peux pas monter sur ces trucs là. Je dois assumer que concrètement je dois aller par là. Par ici. Bon. Je me demande si les programmes ont mal dans Tron quand même. Quand je leur fais des dégâts. Oui, question conne, mais je veux quand même savoir. Remporter la victoire en 20 secondes max. Okay. Je l'ai réussi ou pas? Est-ce que je l'ai réussi? Je sais pas si je l'ai réussi. Oh, ça s'est joué à un poil de vie. Ça s'est vraiment joué à un poil. Et j'ai rien d'autre à faire ici. J'assume que c'est ici que je dois aller. Par principe. Ok, je suis passé de l'autre côté. Mais encore. Bah déjà, il y a un coffre. T'as plus le guet-apens au retour. Même pas. Limite déçu. On était sérieux, je peux pas remonter là, tu te mets.
T'as bu. Oh, s'il te plaît. T'arrives pas. C'est con, tu m'en rappelles pas grand chose. Ok, ça fait ça la parade. Enfin le doublé par avec la parade, ok. Oh par contre l'embrouille me foudroie quand je les tape. Qu'est-ce qu'il a mon bordel? Hop, déjà une petite sauvegarde bien sûr. Je dois être à 2000 et quelques. C'est tout, je suis même pas à 2100 dessus. Ah, il y a un petit coffre ici. Hop, à moi. Transport. Ok, parfait. Super hacker. Intéressant. Franchement, le coup du piratage, je trouve ça vachement bien fait. De toute façon, je suis obligé de passer par là, je suppose. Quoique, à mon avis, là, c'est pas pour accéder au prochain, à la prochaine zone qu'il me faut. À mon avis, c'est juste pour accéder à des coffres qui sont potentiellement cachés. Ouais, juste ça, je dirais. I see you. Quoi, un gros coffre? Putain, je suis dedans. Frappe de gravité. Comment, pardon? Il réalise une attaque en vrille qui peut mettre certains ennemis en état de gravité nul. C'est sympathique. Après je dis ça mais ça se trouve je vais jamais l'utiliser quoi donc Et donc j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire ici. Oh mais c'est somatique. Somatique useless là. Combien de temps il me reste en plus avec Riku avant le passage obligatoire? Après, je pourrais faire le passage maintenant, histoire d'être sûr, mais bon. Ça te calme, hein? Ah, ça te calme, mon cochon. Je vais assumer que c'est ici du coup le... la zone où je dois aller. Prendre l'ascenseur. Ça, ça pue le boss. Là dans cette zone, clairement, on va pas se mentir, ça pue le boss. Ah oui. Ah oui, ça pue le boss, ça. Clairement. Bloque au moins 3 attaques. Bien sûr. Ça m'entraînera comme ça. Je suis trop fort.
Facile. Quand c'est des bestioles aussi connes que ça, c'est facile en vrai. Illusion noble. Bouclier biscuit. On va pas se mentir, c'est un peu de la mouise. Oh, ça pue tellement le boss par ici. Allez, le boss. Vas-y, fais-moi rêver. Allez, donne-moi le boss. Sam, go. Et mon ref. Au revoir. What are you doing here? To the flight deck. But Clue will be here any minute. We'll never make it. Don't worry. Riku's here to help. Oui, je suis là pour aider. Je sais pas pourquoi, mais oui. Ah, il est devenu bleu. C'est-à-dire que tous les rouges sont des méchants. Bizarre ça. Pardon. Non mon ref. Prends-toi au portail. Et si j'ai pas envie? Si j'ai pas envie d'abord. Hein? Hein? Vous avez pensé à ça? Est-ce que j'ai envie d'y aller au portail? Est-ce que je suis obligé d'aller au portail? Pour finir le jeu, oui, je suis clairement obligé. Allez! Viens! Ouais, à mon avis, je vais être obligé de faire le... Je vais être obligé de faire le passage pour Sora. Je vais pas avoir le choix. Je vois le temps qui me reste, j'aurais clairement pas assez. Hop, encore un prize at château. Il faut vraiment que je leur fasse des dégâts avant. C'est débile mais... Merde. Merde. Je suis une bille hein. Et il tient. Toi je peux te détruire maintenant. Auto-destruction. Ah. En autodestruction. Hop. J'ai regardé sans regarder, hein. J'avais le regard dans le vide. Un regard vers l'horizon, là j'étais. Déjà ? Déception. J'ai appuyé une demi-seconde trop tard. Je suis dépité. Oh, voilà, ça je m'en doutais. Yeah!
Ça y est. Bon, du coup, je vais faire le. Regarde juste si j'ai rien raté. Je vais faire la sauvegarde et je vais faire le passage. Enfin, une heure pour, pour la partie de Riku. Enfin, et moi qui avais dit que je ferais un épisode par perso. Aïe! Désolé, il va être de plus en plus long. Bah, du coup, on va faire le passage. Désolé, mais franchement, la tenue de trône, elle est juste parfaite. Je peux pas dire plus que ça. Parfait. Pro hybride, faites l'amélioration. Facilite l'amélioration de ton affinité avec les esprits. Rien de magie niveau 1. Parfait. Je peux juste pas faire mieux que ça. Les épisodes.